Aujourd'hui, il va falloir se refaire. Je sais que les ennemis sont vraiment très présents. Et ça pète vraiment tout autour de moi. C'est très très chaud. Je me suis installé dans un coin qui me paraissait calme. Et au contraire, c'est chaud bouillant. Chaud chaud chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement regarder. Ça. Prendre ça en main. Je vais me sécher parce que je suis trempé. Je vais en profiter le temps de fouiller. Je vais me vider aussi un petit peu. Ouais, j'ai beaucoup d'eau. Ouais, ça c'était pas très malin de ma part. J'ai pris le chiffon. Je vais te faire aller, je prends la pioche au cas où. J'aurais pas dû mettre le feu là, mais c'est pas grave. Comme ça, je vais me vider petit à petit. Je me sèche. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Moi ça va. Du feu de Dieu. Ça va, c'est super. Allez, on essaie de sécher. Alors, qu'est-ce que je peux laisser ici? J'ai des trucs que je vais remettre dans ma caisse. Là, j'ai pas de 9 mm. Ça là-dedans, ça je vais l'emmener avec moi. Quand même des trucs importants, ce serait dommage de les perdre. Il y en a un des deux qui doit avoir un chargeur. Voilà, l'autre je vais le laisser là. Ok, ça je vais le remettre à sa place. Ça aussi, je vais faire un peu de place là-dessus. Par contre, j'ai une hunter avec un viseur. Ce serait dommage de pas trouver des balles. D'habitude, c'est surtout les balles qu'on n'utilise jamais. Et là, pour une fois, j'en ai besoin. J'en ai pas. Donc bon, hop, je vais prendre la pelle avec moi. Bon, elle a commencé à sécher, mais c'est pas ça. J'aurais peut-être pas le temps. Prendre la petite pelle, ça ira beaucoup plus vite pour aller déterrer le coffre. Par contre, ça sèche pas des masses. Hein. Faudrait que je mette plus de choses dans le feu. Bon, on verra ça après. J'ai quand même pas mal de poids à vider. Surtout qu'il peut faire nuit assez rapidement vu le soleil. Il reste pas beaucoup de temps. Donc on va. Tant pis. On séchera plus tard. Visiblement les mines sont encore là. Oula, j'ai complètement oublié, c'est l'habitude. Bah oui. Je joue qu'à la première personne. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi hier, c'est normal, il était tard. N'hésitez pas à aller voir mon replay. Pour ceux qui connaissent le One Kill Studio, Link et Terracid, je me suis retrouvé sur une game avec eux. C'était plutôt très marrant. Je vais surtout pas faire de bruit pour le moment, je suis en train de déterrer en pleine journée. On va essayer de se planquer. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ok. Bon, les trucs de réparation. Je vais ramener celui-là avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Ok, ça aussi, je vais faire un cadenas, je vais faire de la place.
Le problème, c'est que je commence à être full et pourtant j'ai pas grand chose. Ça, les guns comme ça, je vais les prendre, je pense. Hein. C'est que c'est très très mal trié et du coup, ça prend une place monstre. MP5, j'ai plein d'armes mais j'ai aucun chargeur. Chargeur de 9 mm, je vais l'emmener là-bas. Des 9 mm, je vais en emmener un là-bas. Je vais faire de la place. Mes chargeurs de 9. Balle de Glock, ça je vais y garder. Mon gun. Ouais, il faut que je trie tout ça rapidement. Alors, ça je voulais le laisser. Ça aussi. Ça on est sur les balles d'AK, je vais les mettre dedans même si ça fait pas beaucoup. Oh, il est plein de chargeurs. Ok. Tac. Pas toujours une place de moins. Un ou deux plus. Balles d'AK. Okay, j'ai un chargeur ici, je vais garder. Ouais, je prends le temps de combiner tout ça, ça me ferait gagner de la place et autres, mais ouais, je me connecte hors live. Vous voyez, des balles de pompe, il y a des trucs à combiner, mais je vais prendre de la bouffe avec moi. Il a faim, de toute façon. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Faire vite fait un cadenas, pas toujours ça. Prendra un petit peu moins de place. M'en manque encore là? Mal compté. Ça arrive aussi. Allez, on se dépêche. L'idée c'est pas de faire du craft, c'est pas le moment. Là je récupère ça. Je repose, alors je sais pas où il était. C'est là. Ok. La Hunter, je vais la prendre. Pas une arme très importante, alors que le car, je préfère la mettre en sécurité. Donc ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Le canard, je vais le poser. Je vais garder les balles de 9 mm pour mon MP5. Ça, je garde. Je garde. Je vais le poser. Balle de Glock, je garde. Ça, je garde. Allez. Balle de car. On est bon. On est bon. Je vais garder ce sac-là. Chargeur. Ouais, faut vraiment que je fasse un tri parce que c'est vraiment le bordel. Là, vous voyez. Un chargeur d'AK, j'ai des balles d'AK. Deagle 357, mais c'est des Deagle 50, donc j'ai pas les. J'ai pas ce qu'il faut. Oui, normalement, ça je peux faire ça. Il y a vraiment beaucoup à optimiser, mais. Ok. J'ai le chargeur, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas les. J'ai pas les balles. Ouais. C'est pas grave. Allez, on enterre. Et on va partir faire un petit tour au bunker et à la ville vite fait. Il a faim, on va manger. On va se dépêcher avant qu'il fasse nuit. En même temps, l'arc c'est bien, c'est pratique, c'est silencieux, mais ça prend de la place dans le car quoi. Donc je vais pas le garder très longtemps. Ok, ici je vais retirer une serrure, je vais mettre l'autre. D'ailleurs, je vais la mettre même en premier. Comme ça, quand ils vont commencer à crocheter, ils verront serrure en argent, ils vont dire c'est peut-être plus long. Alors qu'après, ça cache des serrures en. En bronze.
Ici, je redépose la pelle. Elle y était. Je vais mettre là-dedans tout ce qui est armes. Ça, je vais garder sur moi. Ça, je pose. Ça, j'ai oublié de poser. Ça, je garde. Ok, donc c'est celui-ci qui est normalement équipé pour que j'aille. Eh ben non. Celui-ci reste là aussi. Ouais, c'est celui-là que je dois garder. Ok. Je garde un chargeur au cas où. Et là, on est bon. Hop. Voilà, un petit peu de tri. Le pain, j'aurais pas le temps. Là, on va manger ça. Ok. Tour bunker, village. Et là, je vais y aller en mode. Je cours vite. J'ai la hunter à poser. Parce que de toute façon, j'ai pas de balles pour le moment. Je suis en train de m'emmerder, excusez-moi le terme, mais. Voilà, je voulais mettre les armes là-dedans, comme ça je me retrouve plus vite. Donc y a rien d'extraordinaire, mais il faudrait quand même des kits de réparation, ça serait cool. Là, c'est pour faire les mines. Mines. Ouais, faut vraiment que je trie tout ça. C'est un peu le bordel, l'aspirine on en a pas besoin. Ok, allez. On est plutôt bien. Et ça outil pour les mines. Va falloir à terme que je fasse aussi une autre couche de mur. Il se peut que cette partie du craft, je le ferai hors ligne, parce que c'est pas intéressant. 16, ça on peut. Allez, c'est mieux rangé, mais ça change pas le problème. Donc on a des clous pour refermer, des pansements. Une pelle au cas où. Je peux pas réparer ça? C'est bizarre. Alors, je regarde juste si tout est bon. Ok. Allez, on y va. J'en profite. Verrouiller ici. Comme ça, je vais pouvoir refaire bientôt mon truc de réapparition. Ok, on est bien. Donc là, c'est fermé. Comme ça, je fais ma cabane de réapparition plus tard. Je bloque les fenêtres avec des meubles pour pas qu'ils voient ce qui se passe dedans. Là, je pense que je pourrais faire. L'idée c'est que ça leur donne pas envie de rentrer. Là, ça marche pas. Ouais, tac. Ça c'est peut-être un peu gros, je pense que je peux pas le poser sur la table. Ouais. En tout cas, il va falloir que je cache les fenêtres pour pas qu'ils voient ce qu'il y a dedans. Bref. Allez, on y va. C'est vrai que le secteur il y a tellement de monde que je sais pas si je me suis mis au bon endroit quoi. Il est un peu lent pour sortir son arc lui. Ouais. Mon skill doit être mauvais. Et ben, c'est laborieux. Ouais, en plus j'ai plus de balles, carrément. Vous avez vu le nombre de flèches? Non mais c'est incroyable. Incroyable quoi. J'ai dû faire passer une dizaine de flèches sur le zombie quoi.
Salut Nexus, comment ça va? Je crois que je vais arrêter l'arc, de toute façon c'est vraiment très mauvais. Enfin pour le moment j'ai pas beaucoup de skills donc du coup il galère énormément. Bah ça va plutôt bien, ça va très bien même. Bon, on va le découper, voir si on peut récupérer d'autres flèches. C'est pas fou, mais ça suffira. Ouais, on est bien. Moi, j'ai pas le temps de fouiller ça, ça m'intéresse pas. Alors, faim, soif, tout ça, ça va. Du coup, j'ai trop pris sur moi. La cabane d'Halloween? Non. C'est dans le coin là? Je savais même pas qu'il y avait une cabane d'Halloween. Ça fait quoi du coup? Tout ce que je sais, c'est que dans le secteur, il y a beaucoup, beaucoup de monde, des mecs très équipés. Hier, j'ai perdu mon AK alors que j'ai été très silencieux. Je suivais un mec et je l'ai perdu de vue. Enfin, j'entendais du bruit. J'ai essayé d'y aller le plus discrètement possible et il m'a tué. Donc, j'ai perdu mon AK. Mais ça, c'est pas très, très grave. Et le secteur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes, quoi. Il y a un mec qui est mort sur mes mines, pas qu'une seule fois. J'ai pu récupérer un peu de loot, dont une hunter avec lunettes. Mais j'ai pas de balles. J'ai récupéré d'ailleurs son sac, ça c'est à lui, ça. Mais ouais, c'est chaud sur mon secteur, ça bouge énormément, quoi. En fait, je pensais sincèrement, je me suis dit, bon, je vais pas m'installer par là, ni là. Enfin, parce que ce sont des secteurs qui sont très demandés. Je me suis dit, il a vu la première personne en D4, tu longes le long du mur. Ah non, je savais pas. T'es pas au courant. J'ai choisi ce secteur là, je me suis dit, je serais et proche de l'action et tranquille. Et au final, c'est un des secteurs les plus utilisés du serveur, comme par hasard. Mais bon, c'est le jeu. Ça rend la difficulté encore plus forte, mais bon. Ouais, je vois, je vois. J'avais pas le souris au bon endroit, mais ouais, le long du mur là, sûrement. Bon, en formation, hier j'ai trouvé un AK-98, donc mon premier snipe. Par contre, bon, les armes sont en mauvais état, il faut que je trouve de quoi les réparer. Là, je suis à la recherche de chargeurs du MP45, d'MP5, de lunettes de car et de balles évidemment. J'entends des zombies. Le problème c'est que j'ai aucune arme au corps à corps pour les tuer. Bon, tu sais quoi, je vais y aller. Elle a pas très discret. Il est costaud lui. Tant pis pour la discrétion parfois. Hein. On va
panser les blessures discrètement. Ouais, c'est du 28 à 36% grand max quoi. Alors le chargeur, où est-ce qu'il me l'a foutu? Voilà, tant pis pour la discrétion. Parfois on n'a pas le choix. J'ai pas pris de pioche, rien du tout. Oh, c'est quoi ça? Je l'ai jamais vu. Ah, il doit être tellement en mauvais état que je le reconnais pas, c'est peut-être pour ça. Ah, ça m'embête, c'est parce qu'il y a une petite cabane en bas qui est normalement habitée et j'ai fait du bruit donc. Espérons que le mec soit pas connecté. Je viens de trouver du fusil à pompe, mais bah, comme toi-même tu sais, hein, dans ces bunkers là, c'est à la limite de la casse le truc. Oh, hier soir, c'était génial. Je me suis incrusté dans un live de Link et Terracide, je sais pas si tu connais, qui jouait sur un serveur privé allemand où ils se sont fait voler une voiture. Enfin, ils avaient trouvé une voiture, ils se l'ont fait voler. Bon, en fait, ils l'avaient laissé au milieu de la route, bref. Et alors, disons que c'est des youtubeurs qui font des. Enfin, qui jouent à plusieurs jeux et ils sont plutôt très drôles. Genre, il y a plus du million d'abonnés, hein, pour faire simple. Et on s'est retrouvé sur le serveur, un serveur allemand, où on est arrivé avec d'autres viewers, on est peut-être arrivé à 25, 30 ou 40. Et on les a attaqués avec des lances, enfin, avec rien quoi. Et on a réussi à rentrer dans leur base, les tuer, détruire tout leur stuff. La voiture, ils l'avaient garée dans un garage. On a réussi à la détruire à travers les fenêtres. Mais un bordel monstre, dû voir, on aurait dit des hooligans qui étaient sur un serveur de Scum. C'était juste génial. Oula, ça lag. Et ce que j'avais pas prévu, c'est que quand je streamais pour les rejoindre, c'est que j'avais pas prévu de baisser la résolution. Quand on s'est retrouvé à 30 ou 40 dans le même secteur avec toutes les fringues, les cadavres, les machins par terre, ça a lagué à mort et je suis dégoûté. Franchement, c'est le plus beau truc de Scum que j'ai pu faire. C'était vraiment génial. Franchement, il faudrait que tu. Je vais essayer de trouver la vidéo et je la posterai sur mon YouTube. Et c'était juste génial. Franchement. Bon, ici, il n'y a pas de commissariat. Je vais pas trouver d'armes. C'est même pas les armes que je cherchais. Ouais, genre de la poudre, des balles. Ah, mais c'était énervé. Franchement, c'était dingue. Quand on s'est retrouvé à une dizaine, quinzaine, tous en orange, on fouillait le village pour trouver des balles, des battes, des armes. Eux, en face, ils étaient full équipés. Mais on les a, mais défoncé. Alors certes avec rien, mais c'était très marrant. On a foutu il faisait nuit, il y avait le feu autour de la baraque, il y avait des fumigènes, des lampes torches, enfin c'était c'était du Scum jamais vu. Et il y a le début de la vidéo parce que les trois quarts comment dire, j'ai pu enregistrer, mais après c'était très compliqué quoi. On les a butés, ils avaient le respawn dans leur base. Leur base c'était une maison qui était fermée à clé, enfin. On a réussi à rentrer dedans parce qu'il y avait un bug avec une fenêtre où on pouvait passer à l'étage, enfin, bref. C'était bien marrant. Ça a dû se finir vers 1h30, 2h du mat, c'était incroyable. Bon, vu que je suis dans la lancée. Oula! J'étais persuadé d'avoir mis le viseur sur sa tête. Les oreilles qui sifflent. Il y en a marre de la discrétion, ça paye pas. Pas tout le temps. Je suis pas armé, j'ai pas grand chose à perdre donc. Si on veut me chercher des noises, je suis là. Faut des balles, pas de pompe, ou un pompe à la rigueur.
Mais je vais vite faire le village, je vais aller directement au commissariat. Ça y est, le caisse à outils, ça m'intéresse. L'appel aussi, mais c'est juste vraiment pour remplacer la mienne. Elle veut pas rentrer dedans, ça? Non. Elle est trop lourde. Bon, tant pis. Je vais pas me prendre la tête avec ça. Alors maintenant, elle rentre plus dedans. Alors ça, c'est la meilleure. Alors ça, c'est la meilleure. Elle était dedans, elle est plus dedans. Enfin, tu peux plus. Bref. Faut pas se poser trop de questions. Ouais, c'est ça. Maintenant, t'as des espèces de oreilles, enfin des espèces de bouchons à oreilles. Bon, ici, en fait, y a rien à loot, c'est naze. Je me casse. J'aime venir ici parce que souvent, il y a des spawns de quad, mais visiblement. Oh, 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 il y a un véhicule. Ah, il tire à côté ou quoi? Évidemment, je te parie qu'il n'y a pas de batterie et pas d'essence. Allez mon gars, démarre. Il y a une station service juste à côté. Je suis désolé pour conduire. Là par contre, j'utilise ma... Pourquoi que non, je vais essayer sans. Putain, je vois rien avec la fumée. Je crois qu'il y a une station service juste au-dessus. Elle est là. Je vais être obligé de sortir, il y a peut-être des... Des bip bip. Oh non, il y avait une mine. Oh non, la poisse. Oh non. Oh non, la poisse. Oh non. Mais non. Mais non. Putain. Oh, le rire nerveux. Ah putain, mais non. Je trouve un véhicule sur serveur officiel en pleine journée. J'arrive à le démarrer. Je suis devant la station service. Le truc qui pète. Mais non. Oh putain. Je vais aller voir vite fait, je suis à côté, mais... C'est dingue. Ah les bâtards, ils sont pires que moi. Non, pas ici, pas ici. Et d'ailleurs, tu pètes pas sur tes propres mines, mais... Ah les bâtards. Oh non. Putain. Eh, on peut le dire, je suis pas chanceux quand même. Dites-le quand même. Mais non! Oh là là, je rêve! Et à mon avis, la voiture elle a pété. C'est presque sûr. Et parfois, quand c'est comme ça, t'as même le loot. J'avais rien, hein, mais le loot qui. Saute à des kilomètres. Genre, tu retrouves pas quoi. Putain, eh! Hey, j'avais la poisse, on va dire, et la chance. Il y a le véhicule. Il y a encore un tout petit peu de carburant. La station service est juste à côté. Il fallait qu'il y ait une mine quoi. Ouais, ouais, elle était morte. Bon, je suis juste à côté, hein, donc suspense. Ah les bâtards, ils sont pires que moi. C'est où déjà? J'ai passé le pont, d'ailleurs je me suis cogné. Bon. Prends ton souffle de toute façon. Oh mais non. Bah ouais, non mais au début je me suis dit bon. Le problème c'est que si je tombe en panne avant la station service, je suis mort, j'ai pas de jerrycan. Donc je voulais me garer là où il y avait les zombies qui pètent. Et après courir et puis les tuer un à un, enfin bref.
C'est pour ça que je suis reparti en avant. J'ai pas de jerrycan, j'ai rien. Autant réparer le truc, j'ai ce qu'il faut dans la base. Mais pas le reste. Putain. J'en reviens toujours pas. Et en plus d'être dans un mode difficile à la première vue, en plus de tout ça, j'ai pas de chance. Donc, est-ce que je suis au bon endroit là? Peut-être dérivé. Incroyable, incroyable. Bon. Allez, oh elle est là, oh elle est là. Sauf qu'à mon avis, je pourrais plus démarrer. Putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mon corps est là. Là le problème c'est qu'il va falloir que j'arrive à démarrer la voiture. Et ça va être tendu. Voilà toute l'utilité d'avoir, comment dire, un peu de points de fame. Oh, elle a crevé et tout. Bon, en tout cas, il n'y a pas de... Faut que j'arrive à démarrer là. Faut que j'arrive à démarrer. Allez, allez. Il faut pas que je cale parce que après ça va être la batterie quoi. T'as un pneu crevé. Oh ça va être la galère. La réparation pas de problème. La batterie ça va être plus compliqué aussi. Salut Charonia. Ouais toujours le Steam. En pause déj, et là je viens de trouver un véhicule, je viens de péter sur une mine. Et je suis revenu, il est encore en état. Il n'y a pas de verrou, il n'y a rien dessus. Regarde au cas où qu'il n'y ait pas un truc intéressant, mais... Bon, va falloir que je le ramène à la base. Comme ça il aura le temps de prendre un petit peu de batterie. Bon finalement il a... Allez, cale pas, cale pas. Ouais. Mais non, mais c'est quoi ce délire? T'es déjà la deuxième mine en 5 minutes. Putain. C'est un truc de dingue. Putain, c'est pas possible. La voiture en fait. Ouais. Ah là 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 là. Ah t'es venu après, mais je viens de m'en taper une juste avant de mine. Hein. Les enfoirés, ça fait déjà deux mines qui m'ont foutu devant la station service quoi, c'est incroyable. Où est-ce que je suis là? Oh là là, les enfoirés. Ah non mais là, deux en 5 minutes quoi. C'est incroyable. Je me suis dit ouais cool, la voiture n'a pas explosé, j'ai récupéré mon loot, enfin j'avais rien hein. Presque rien. J'arrive à pousser la voiture, il restait 1 mm de carburant jusqu'à la station service, je remplis la voiture, boum. Mais non. Mais non. Me semble que non. Me semble que non. Attends, lui il me saoule depuis tout à l'heure là. Regardez, le mec il spam depuis tout à l'heure, il parle tout seul. Je sais pas pourquoi il râle là, vas-y. J'adore les joueurs qui menacent de se barrer, vas-y, je lui dis barre-toi. Je crois qu'il y a des messages privés sur
sur Twitch, il me semble, ou Senan. Bah moi je vais te le noter à la fin du stream si t'es encore là, mais tu pourras venir revoir la rediffusion. Ouais, tu pourras m'ajouter. Mais merde, je suis pas au bon endroit. Bon, attends, pendant qu'il se repose, j'ai peut-être moyen d'aller voir vite fait. Moi, ça me dérange pas. Tac. Copier. Ah, j'ai dérivé, j'étais pas au bon endroit. Bah moi je suis en pause déj et je pars. J'ai sincèrement 15 minutes pour récupérer le véhicule et le foutre dans ma base. Donc c'est jouable parce que ma base était juste à côté. Bon par contre, c'est-à-dire que ce soir je vais être obligé de me connecter hors stream pour faire rouler un peu la voiture. Parce que la batterie c'est pas ça. Bon ça doit être par là. Mais non mais sérieux, 2 mines d'affilée quoi. C'est pas genre aujourd'hui et demain. C'est... Il y a 5 minutes et là. C'est incroyable, c'est galère là. On va y arriver ou... Bon, je vais voir l'arrière boutique. Des bottes. Un cadenas. Bon. J'y vais, si ça se trouve les mecs sont pas très loin. Je vais contourner. C'est bon, on va y arriver ou... Allez, sérieux, cale pas là, ça serait la poisse de la poisse quoi. En plus je vais galérer à faire demi-tour. Je me suis mis aucun skill de conduite parce que je pensais jamais avoir un véhicule. En plus je suis pas en descente. Allez. Je suis obligé de prendre un peu de batterie avant de faire demi-tour. Quelle galère. Je sais même pas si ça vaut le coup de garder. Oh là là, on voit rien quand on conduit comme ça. Non. Voilà, cale pas. J'ai besoin de la batterie là. Bah, je crois que je vais m'autoriser à... Une conduite classique, hein. C'est déjà assez difficile. Ouais. Je regardais la route et pas les cailloux. C'est déjà assez galère. J'ai esquivé un peu la route, on sait jamais. Désolé, hein, je m'autorise de pas être à la première personne pour la voiture, parce que là... Même plus du hardcore, c'est du... Oh là là, non! Oh non! Sérieux! Elle va péter la voiture, je pense. Elle manquait un coup, quoi. Bon bah, ça règle le problème. Allez, descends, je vais crever. Bon. Oh là là, en plus j'ai failli crever! Non mais sérieux! Le chat noir les amis, le chat noir. Bon, et ben voilà. Eh, ça fait une belle fin de stream parce qu'on a une belle vue sur la voiture en feu. Bon bah ben voilà. De toute façon, sincèrement d'avoir résisté à deux mines, c'était déjà miraculeux. Bref. Bon bah ben voilà.
finalement, je pensais avoir fait un super loot. Oh, j'avais jamais vu ça, irréparable. Du coup, heureusement que j'ai rien stocké dedans. Hein. Je vais me faire un petit screen, ça sera pour le... pour la jaquette de la vidéo. Voilà, parfait. Bon bah voilà, on n'a plus qu'à rentrer à la base. Ah dommage, franchement dommage. Bah non, je me suis tapé un petit coin de... Elle est où la voiture? Bon, elle a déjà disparu. Je me suis tapé le rebord du pont, juste un petit coup, et elle a pris feu. Elle était vraiment trop en mauvais état. Ah lui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, il veut faire pipi caca. Et du coup, bah, elle a explosé, elle a pris feu, et puis... c'est perdu. Mais c'est pas grave, ça veut dire que... ouais, franchement, bah, en même temps, oui, dommage, mais je vais être réaliste ou sincère avec moi-même. Elle aurait déjà dû péter la première mine vu les dégâts qu'elle avait, donc bon, c'est pas grave. On en trouvera d'autres, pardon. Mais c'est clair que j'aurais bien aimé la garder, hein. Mais bon. Je peux pas tout avoir. Ça c'est trop lourd aussi. Bon, on va mettre du plus léger dedans. Ouh, franchement, ouais. Ça attire les convoitises. Les gens, s'ils savent que t'as un véhicule, ils viennent te raid. C'est un nid à problème, ça c'est clair. C'est pour ça que généralement je préfère même un quad. Un quad que pour faire les drops et autres. Je le planque dans un buisson, je laisse un cadenas dedans. Après j'aurais pu m'en servir aussi d'appât. C'est-à-dire le garer dans une ville. Je le laisse avec un cadenas dedans. Et puis je campe. Genre je laisse la voiture un petit peu abîmée pour qu'ils se disent tiens elle viendrait apparaître. Et puis je verrouille la voiture, le mec il va jusqu'à la voiture, il peut pas rentrer dedans, et puis soit je mine ou autre. Mais bon, il y a plein de choses à faire dans ce scum. C'est pour ça que j'aime ce jeu, c'est que normalement on n'est pas censé s'ennuyer. Bon, des pelles j'en ai à l'appel sans faire de jeu de mots. On va fermer la base parce que c'est la fin du live. Ouais, effectivement, il faudrait que je m'amuse à mieux protéger tout ça. Il faudrait plus de couches de murs. Donc j'essaierai peut-être de faire ça en hors live. Pour pas que ça vous ennuie, parce que franchement, voir des allers-retours avec des rondins dans les bras et dans les caisses, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, quoi. Et il se peut qu'un jour je fasse une saison sur le char Holland. Mais je préviendrai personne pour éviter le stream hack, évidemment. Bon, toi, tu vas reconnaître le nom de tes joueurs, mais... pourquoi pas finir sur un petit serveur sympa privé, français. Ça peut être une bonne alternative. En tout cas, merci d'avoir suivi le stream, qui du coup, je l'ai écourté parce que le temps me presse. Il y a eu de l'action, j'ai presque eu un véhicule. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve probablement ce soir sur Scum ou sur un autre jeu. On verra selon l'humeur. Et bon courage pour ceux qui bossent. Bon repos pour ceux qui sont au repos. Et à très vite. Ciao ciao les amis.